Je m'ennuie. C'est fou ce que je m'ennuie. Je peux t'inviter à participer à mon activité. T'ennuyer, mais sous une couverture. On me l'a déjà faite, celle-là. Je voulais t'inviter à prendre un livre. Rien de tel que la lecture pour passer le temps. Probabilité et statistique. Celui-là, il est super marrant. Tu vas adorer les exercices. Je crois que je préfère encore m'ennuyer sans avoir mal au bras. Tu crois que c'est long? Quoi? L'éternité. Par définition, l'éternité, c'est un état physique qui n'a ni début ni fin, indépendant du temps, si tu veux. Donc, en termes de temps, ce n'est ni long ni court. En termes de ressenti, ça... C'est long ou non? Imagine un oiseau. Une fois par an, passe au-dessus d'une montagne et en frôle le sommet. À chacun de ses passages, il rabote un tout petit peu de la montagne et la fait rapetisser. Au bout d'un moment, la montagne aura disparu. Tu peux imaginer le temps qu'il faudrait? Oui. Face à l'éternité, le temps qu'il faut pour détruire la montagne ne représente même pas un jour. Destruction. Mais c'est long, ou non? Oui, si on veut, c'est long. Je vais m'ennuyer jusqu'à la fin de l'éternité. Il n'y a pas de fin à l'éternité. C'est encore pire que ce que je croyais. Je vais mourir d'ennui. On ne peut plus mourir. C'est l'enfer. Mais non, c'est le paradis. On a tout le temps. Tout le temps et rien à faire. Rien à faire? Bien, je vais te montrer le paradis. Allez! Hop, 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 hop. A plus, Chloé. Imagine toutes ces choses qu'on peut découvrir en une éternité. Tout ce qu'on peut faire, imaginer, créer. Et on commence ici, au paradis. Une bibliothèque. Mais non, regarde tous ces livres, toute cette connaissance, toutes ces histoires, ces personnages à rencontrer, ces paysages à découvrir, ces peuples à connaître, ces aventures à vivre. Le trône de fer, ils en ont fait un livre. Évidemment, ce serait trop simple. Ils en ont fait un deuxième! Tu crois qu'ils en ont fait combien? Je sais pas. L'auteur s'est pas encore tué. Quelqu'un pourrait écrire notre histoire? Et puis quoi encore? En faire une série télé? Non. Plutôt une BD. Bonjour. Excusez-moi, quand pensez-vous que vous aurez terminé ce livre? Mon ami aimerait bien le lire. Je viens de le commencer, désolée. Votre mission pour aujourd'hui, retrouver ce livre. Il est pas à sa place. On va jamais le retrouver. Hein. Dans une bibliothèque, un livre mal rangé, c'est un livre perdu. Bon, ben on va le chercher. Allez. Donc si on commence par un algorithme de tri radix, on devrait... Ethan... Mais tu fais quoi, là? Bah, je cherche le livre, pas toi. Mais Ethan, je viens de regarder. Mais on sait jamais si tu le rates. C'est peut-être mieux de vérifier deux fois. Ethan... Quoi? Bon,
Va à la fin de la bibliothèque. Quelle fin? Ben là, on est au début, alors débrouille-toi, trouve la fin, et quand on se rejoint... Quand on se rejoindra, on aura couvert toute la bibliothèque, donc on aura fini. Voilà. C'est très logique, tout ça. T'as trouvé? Non. C'est quoi ça? De très bons livres. Je me les garde pour plus tard. Mais Ethan, va les ranger immédiatement, tu nous rajoutes du boulot là. Ethan, je t'ai déjà dit de ranger. Bah c'est ce que je fais. Ces livres étaient mal rangés, je les remets à leur place. On n'a pas le temps pour ça. Si, justement. On a l'éternité. Charlotte ! Ethan, j'ai pas le temps pour tes bêtises. Tu te débrouilles, mais ne me dérange plus avant qu'on ait passé tous les livres de cette bibliothèque en revue. On a tout vu. Mmh. Alors ? Je suis désolée. Mais moi, sans cet ouvrage, je peux recommencer ma thèse depuis le début. Y a un souci ? Mais oui, on n'a pas retrouvé son livre. Bah, je l'ai, le livre. Monsieur, il vient d'arriver. Tu m'as rien dit ? Tu m'as interdit de te déranger jusqu'à ce qu'on ait passé tous les livres de cette bibliothèque en revue ? On est resté combien de temps là-dedans? À peu près 10 minutes. Non seulement c'est long l'éternité, mais en plus ça avance pas.